Dans le tutoriel ça, nous allons apprendre changer position yon trafic dans Excel 2007. Donc, nous connaissons que gagner deux façons nous ka et intégrer un graphique. Nous ka gagner un graphique incorporé, même j'ai avec ça n'a regardé devant nous là, et nous ka gagner tout ça relé en feuille graphique pareil ça n'a regardé là. Maintenant, nous gagne graphique incorporé et puis nous gagner feuille graphique. Mais il y a possibilité Excel ba nous pour nous changer et position yon graphique. Par exemple, graphique n'a regardé là et n'est-ce pas qui représentait réservation pour année 92. Eh bien, nous qui doit décider pour le moment graphique là incorporé dans feuille là, nous capable décider pour nous changer position graphique là pour nous transformer graphique incorporé ça en une feuille graphique et vice-versa. Donc là, ça me va le faire, me va apprendre nous comment pour nous changer position yon graphique. Donc si nous avons un graphique incorporé, nous avons décidé de transformer en une feuille graphique. Donc pour faire un graphique incorporé vini en feuille graphique, c'est très simple. D'abord, je clique sur graphique là et puis je vais aller dans Chart Tools et je vais cliquer sur Design. Maintenant, au niveau de l'onglet Design, je vais chercher et je vais cliquer sur Move Chart que nous avons dans Location. Donc, je vais cliquer sur Move Chart. Il va me donner une boîte de dialogue qui va demander de choisir qui côté je vais mettre le graphique là. Donc, là, si je prends New Sheet, il va bam automatiquement Chart 3 parce que je vais Chart 2 déjà et puis m'a fait OK. Et qui ça nous remarquer? Eh bien, rapidement, soit regarder au niveau de graphique web, qu'il y a graphique web, il n'est pas incorporé encore. Graphique là, il vient tourner une feuille graphique. Ça veut dire que il prend une feuille pour compte lui. Donc, qu'il y a signé aller dans Sheet 1, n'a pas que graphique là pas existé dans Sheet 1 encore. Pour qui ça? Parce que nous, n'est-ce pas, changer position, nous faire transformer, nous faire venir une feuille graphique. Donc, nous, ouais, comment nous avons fait pour nous faire un graphique incorporé, venir en feuille graphique. Dans le même sens, dans tout, si nous avons fait graphique, par exemple, ça, nous avons transformer en graphique incorporé, je clique sur graphique là, je vais aller même côté, hein, au niveau de design, dans Chart Tools, et puis je vais aller dans Move Chart. Donc, fois ça, nous comprenons la logique là, je vais quitter sur New Sheet. Je prends Object In et puis je sélectionne Sheet 1. Donc, et puis, quand il y a là, je fais OK. Donc, nous allons comprendre le graphique ça. Il va le transformer. La vient tourner en graphique incorporé. Et dans quelle feuille? La feuille 1. Et puis, je clique sur OK. Et automatiquement, Excel transforme graphique moyen. Avant, il était en feuille graphique. Kounya li tourner un graphique incorporé. Donc, à pratiquer ça sur ordinateur et puis Nadim Sanoué. Merci, à très bientôt.